Gervaise, donc si je me trompe. Bonjour, je m'appelle Gervaise. Voici Christophe. On est donc du MFRD. C'est une association qui fait essentiellement de l'éducation autour du revenu de base. Donc, moi, je définis ça comme de l'éducation populaire. Le MFRD, c'est un mouvement transpartisan. C'est la première diapo. Voilà. Une association qui est toute jeune, hein, qui a été créée en 2013. On est à peu près bientôt 700 adhérents, une soixantaine de locaux, et on fonctionne avec la sociocratie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un moyen d'animer démocratiquement les réunions. Donc, transpartisan, ça veut dire qu'on a des gens de plusieurs partis, et ça rassemble très large, parce qu'on fait de l'éducation autour de l'idée des revenus de base, mais il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs... C'est ce qu'on va vous présenter ce soir, plusieurs versions du revenu de base. Et donc, notre objectif pour cette formation, c'est une petite présentation qui devrait durer une quarantaine de minutes, c'est de vous donner des outils intellectuels pour faire le tri vous-même après, entre les différentes propositions. Donc, c'est vraiment de l'éducation, c'est un genre de petit cours. On espère que ce sera intéressant pour vous. Il y a une évaluation à la fin. Il y a une évaluation, c'est parfait. On va commencer par la définition du revenu de base. Ça peut paraître trivial, mais c'est pas si simple que ça. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Bon, ça fait beaucoup d'infos, mais on va revenir sur tous les points. C'est la définition sur laquelle on s'est entendu au sein du mouvement français pour un revenu de base, et c'est une définition qui est largement partagée. Par inconditionnel, on veut bien dire tout le monde le touche. Tout le monde, c'est Liliane Bettencourt, c'est un détenu, c'est tout le monde. Sans aucune condition, c'est-à-dire qu'on n'exige pas d'activité, ni on n'exige pas de démarche, on n'exige rien du tout, c'est inconditionnel. Voilà. Sans contrepartie, donc pas de bénévolat obligatoire, pas rien, pas de contrepartie non plus. De la naissance à la mort, il y a une version enfant pour la plupart des revenus de base, qui souvent correspond dans la plupart des versions de financement qui existent à une partie seulement du revenu de base adulte, fréquemment la moitié. Hop. Mais aussi individuel, c'est super important, il doit être attaché à la personne et non à son foyer. On veut éviter l'écueil du RSA qui baisse quand on est en couple, ce qui est vraiment injuste. Et c'est une garantie aussi pour les femmes, tout simplement, parce que du coup, elles gardent le revenu individuel. C'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas financièrement du mari pour percevoir le revenu de base. Pour chaque femme, chaque homme, chaque enfant. C'est ce qu'on veut dire par individuel. Hop. Inaliénable. On ne peut pas descendre en dessous. Donc on imagine un cas où une saisie sur les revenus pénalise vraiment quelqu'un. Là, on ne peut pas descendre en dessous du seuil du revenu de base. Donc ce sera le reste à vivre, quoi qu'il arrive dans la vie. Il faut l'entendre comme un filet de sécurité, en fait. Et évidemment, cumulable avec d'autres revenus. Bon, il y a des revenus sympas, genre le salaire, les retraites, les pensions d'invalidité, évidemment, et aussi les revenus de la rente et de l'épargne, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Même Macron, donc. Même Macron, même Liliane Bettencourt, tout le monde. Après, ça, on n'enlève pas les impôts, hein. C'est là la fin. Alors, c'est une idée qui vient de loin. On trouve les premières références sérieuses de quelque chose qui s'approche de ce concept. C'est Thomas Paine, qui était un révolutionnaire à la fois américain et français. C'est quelqu'un de passionnant, donc je vous invite à lire les écrits. Voilà. Et qui considère que comme les propriétaires terriens ont accaparé du territoire, il faut le redistribuer. C'est injuste à la naissance d'être privé de son droit à un bout de terrain, parce que d'autres l'ont accaparé avant. Donc c'est comme ça qu'il envisage la question d'une redistribution. D'autres ont posé ces principes autrement en disant c'est le revenu d'existence, le simple fait de naître ne doit pas demander de justification pour toucher de quoi survivre ou peu importe. Enfin, il y a plusieurs fondements, qu'ils soient historiques ou philosophiques, qui mènent à cette idée.
On peut noter en 1930 Jacques Dubois qui crée le mouvement français pour un revenu d'abondance, qui visait déjà à créer de la monnaie pour que les individus profitent de la monnaie en masse et non plus les banques. Et le plus récent des gens connus qui ont porté cette idée, c'est Yolande Bresson, qui est un des qui a été au MFRB avant sa mort, en fait, je crois bien, ou pas, non, il est mort en 92, c'est ça, je ne me rappelle plus. J'ai un petit blanc. 2014. En 2014, donc c'est bien ça, donc c'est à l'air qu'il est. Il y a une autre association plutôt libérale qui parle de revenu de base. Et Yolande Bresson a fondé celle-là. Excusez-moi, j'ai un petit moment de blanc. Alors, pourquoi un revenu de base? Alors, à des fins d'émancipation, on veut donner le choix à chaque individu de s'en engager dans des activités auxquelles il donne du sens. Y compris et surtout des activités non productives économiquement, comme les arts, la musique, les logiciels libres, les activités associatives. L'idée derrière, c'est qu'on peut dégager du temps pour vivre plus pleinement sa vie, en fait, en réduisant la part de son activité salariée, par exemple. On imagine aussi, on anticipe, qu'à cause de l'automatisation, une grande partie des emplois vont être impactés, pas forcément supprimés, mais il y a besoin de moins de gens pour faire plus en production. Et l'automatisation touche vraiment énormément de secteurs. On ne peut pas encore estimer vraiment très précisément le nombre d'emplois qui va disparaître, mais pas par autre chose que tout simplement il y a besoin de moins de gens, un mécanisme assez naturel. Et il y a surtout un autre problème, c'est que relancer la production, recréer de l'industrie ou quoi que ce soit, relocaliser et recréer des emplois aurait peut-être un impact écologique qui ne serait pas négligeable. Et donc dans une planète aux ressources finies, on l'a compris maintenant, on pense qu'il vaut mieux partager mieux le temps de travail. Voilà. Et nous, à titre militant, on ne croit plus vraiment au retour du plein emploi. On est d'une génération qui n'a pas connu de reprise d'emploi, en fait. Donc, voilà, on a envie d'être optimiste et de se dire qu'il n'y aura plus un chômage de masse demain, mais bon, on est un peu pragmatique. Hop. Alors, les effets sympas d'un revenu de base, nous, on espère que le citoyen pourra choisir s'il souhaite ou pas compléter son revenu de base par une activité salariée. En gros, si vous voulez vous passer d'emploi salarié et pas de travail, on considère que tout le monde travaille, c'est ce qu'on souhaite défendre, que ça devienne un choix. On espère que ça permettra de partager en douceur le temps de travail. On espère aussi que ça changera complètement le rapport au chômage et le regard sur les chômeurs. Et évidemment, le rapport de force dans les entreprises. C'est évident qu'un boulot d'éboueur payé au SMIC aura moins de succès si tout le monde a déjà un socle qui permet de se nourrir. Alors, on a toujours la même question, mais qui fera le sale boulot? Parce que, bon, voilà. On compte beaucoup sur l'automatisation, justement. On compte aussi sur une organisation un peu plus juste et collective de la société. On compte quand même que les sales boulots seront un peu revalorisés si vraiment il n'y a plus de candidats, il y a des employeurs qui vont devoir se secouer un peu. Et aussi, on a découvert en étudiant et en cherchant un peu sur la question que la notion de sale boulot est très relative. C'est-à-dire qu'il y a des métiers typiquement manuels qu'on imagine pas très qualifiés, pas très qualifiants, nous, en tant que informaticien ou prof, ou voilà, et qui pourtant rendent les gens heureux. Donc, à voir. Dans toutes les expériences, et il y en a eu quelques restreintes, rien n'a montré un abandon massif jusque-là des métiers. La plupart des gens attendent un revenu de base simplement de réduire un peu leur activité, reprendre des études pour certains, et voilà, c'est pas un bouleversement majeur. Mais bon. Hop. En autre effet sympa, c'est sûr qu'administrativement c'est plus simple, et plus besoin de contrôle.
plus besoin de contrôle du citoyen, plus besoin d'aller au guichet, plus besoin d'aller déclarer qu'on a partagé un clic-clac avec son colocataire pour toucher son RSA ou je sais pas, ou l'inverse. C'est fini tout ça. On inverse et c'est pas à l'individu de faire la preuve qu'il est pauvre, c'est à la société de reconnaître à l'individu son droit à exister, point. Hop. Je vais passer la parole à Christophe qui va nous parler du financement, enfin des financements. Alors le financement, c'est souvent une question qu'on nous pose quand on parle du revenu de base. Alors je vais déjà tuer dans l'œuf la première question, c'est que le financement en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est pas un problème technique. On a tout un tas de leviers sur lesquels on peut jouer pour avoir un revenu de base. Par contre, le problème va être clairement politique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le revenu de base, il ne faut vraiment pas le voir comme un projet politique. C'est pas du tout un projet politique, c'est un outil au service d'un projet politique. On renverse la logique, c'est pas vraiment pas un projet politique. Il existe des revenus de base, il y en a qui sont libéraux, d'autres distributifs, décroissants. Ça dépend du projet politique qu'on veut mettre en place. Je prends un exemple très simple pour voir vraiment la différence. Imaginons un revenu de base à 1000 euros. Ça peut sembler être un bon revenu de base émancipateur, mais ça dépend comment il est financé. Par exemple, si on le finance de façon libérale, c'est-à-dire avec par exemple un impôt unique, une augmentation de la TVA, une suppression de la Sécu ou des retraites, là on peut bien voir que c'est pas vraiment super émancipateur. Par exemple, si on supprime la Sécu, bon, on a le droit d'avoir une maladie grave dans sa vie, puis les autres fois, tant pis quoi. Donc là, c'est dans ce genre de financement-là, le revenu de base à 1000 euros, c'est pas émancipateur. Un revenu de base de 1000 euros, par contre, qui est financé avec un impôt très progressif, un revenu maximum et une taxe sur du patrimoine, là, ça a pour but de réduire les inégalités. Et donc là, le revenu de base à 1000 euros est beaucoup plus émancipateur. Donc il faut vraiment voir tout le temps ce couple, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps le montant et le financement. Il ne faut jamais oublier le financement. Quand vous voyez dans les médias qu'on vous parle d'un revenu de base à 1000 euros, par exemple en Finlande, vous pourriez revenir plus loin. Méfiez-vous si vous savez pas comment le revenu de base est financé. Je vais présenter deux propositions principales actuellement qui sont défendues, mais bon, il y a tout un tas d'autres propositions. Donc ça, c'est un financement qui est plutôt libéral. Alors c'est Marc de Basquiat qui est économiste. Lui, son angle d'attaque, c'est le RSA. Il a fait toute une thèse sur le RSA pour montrer toutes les aberrations du RSA et de la fiscalité en général. Notamment, en gros, il en vient à la conclusion que les plus pauvres n'ont pas intérêt à se marier, n'ont pas intérêt à faire d'enfants. Je grossis très fortement le trait, mais globalement, c'est ça par rapport, en gros, aux plus riches. Donc lui, il voit vraiment l'optique du remplacer le RSA par un revenu de base qui, lui, est beaucoup plus émancipateur et beaucoup plus, surtout, égalitaire avec les citoyens. Donc il propose un revenu de base à 450 euros par adulte, 250 par enfant. Il fait un versement par impôt négatif. On verra un petit peu ce que c'est plus tard. Un impôt unique à 23% et il supprime pas mal d'aides, dont l'impôt sur le revenu actuel, la CSG, impôt sur la société, des cotisations sociales non contributives, etc. etc. Sachant que, par exemple, il supprime le RSA, ça a complètement son sens parce que c'est complètement remplacé par revenu de base. Et tout comme les allocations familiales, elles sont supprimées vu que le revenu de base enfant remplace le revenu de base. Le revenu de base enfant remplace les allocations familiales. Après, on voit bien que c'est un projet libéral parce que le montant est faible et surtout l'impôt unique, enfin, il y a un impôt unique à 23%. Et l'impôt unique, c'est pas vraiment une mesure qui aide les plus défavorisés. C'est quoi le PPE et la SPA ? Alors. La prime pour l'emploi. Ouais. La prime pour l'emploi et l'autre, je sais plus. La SPA, c'est pour les personnes âgées. Ouais. Ça n'existe plus la PPE et les RSA. Enfin, la PPE en tout cas, n'existe plus. Oui, depuis. Souvent, en fait. Depuis ? C'est la prime d'activité maintenant. Oui. Ah oui, c'est pas mis à jour. Pour ouais. Ils ont fusionné les RSA activité. Là. Ouais. D'accord. Donc, ça, c'est le financement libéral. Je vais montrer un autre financement. Alors, lui, il est proposé par Baptiste Milando, qui est décroissant. Pardon. Lui, il propose un revenu de base à 1000 euros par adulte et 250 par enfant. Versement par location universelle, on verra ça après.
imposition progressive avec revenu maximum. Donc lui, dans sa proposition, c'est revenu maximum, c'est 6 fois le revenu, enfin 6 fois en gros le revenu minimum. Donc ça aura un rapport de 1 à 6. Donc personne ne peut toucher plus de 6 fois le revenu minimum. Taxation progressive du patrimoine, dans sa proposition, c'est une taxation qui va de 1% à 5%. Donc c'est assez drastique. Et refonte de certaines aides, donc tout ce qui est politique pour l'emploi, il estime que ça équivaut à peu près à 60, c'est entre 50 et 70 milliards par an, donc ça bouge et ça va dans le financement du revenu de base, sachant que lui, dans son optique, avec un revenu de base à 1000 euros, l'intérêt de tout ce qui est politique pour l'emploi est très fortement réduit. Parce que lui, son optique, c'est vraiment le chômage ne doit plus être du tout un problème. Il n'y a plus de notion d'assister en fait dans sa vie. Donc tout comme la slide précédente, suppression allocation familiale, bourse universitaire, RSA, PPA, SS, SPA, et les APL s'il y a plafonnement des loyers. Juste une question, vous ne parlez pas du tout par exemple des allocations pour personnes handicapées. Oui, c'est normal, on ne les supprime pas. D'accord. Même dans les propositions les plus libérales, c'est pas supprimé. Parce que en gros, on estime que les. Que cette aide est en supplément de justement du minimum. Parce que les personnes handicapées ont plus de besoins que les personnes âgées. Donc voilà pour ce qui est de. Donc ça, c'est les deux principaux financements qui sont avancés. Il y en a d'autres qui sont moins détaillés que ça. On peut imaginer aussi d'autres pistes, notamment il y en a de plus en plus qui pensent à de la création monétaire pour financer un revenu de base, pour faire tourner la planche à billets là-dessus. Il y a aussi d'autres axes possibles qui sont différentes taxes, les taxes sur les transactions financières, les taxes carbone, les taxes sur l'automatisation, sachant que c'est à prendre avec des pincettes, surtout la partie sur les taxes, c'est-à-dire qu'il faut surtout, c'est très utile d'avoir ce genre de taxes pour financer un revenu de base dans une période de transition, mais il ne faut pas que ça soit, faut pas qu'on fasse reposer le financement du revenu de base sur ces taxes, parce qu'en gros c'est... On reviendrait à financer un revenu de base donc, qui est nécessaire à la société sur des pratiques qu'on cherche à faire disparaître, notamment transactions financières et taxes carbone. Donc voilà, il y a pas mal il y a d'autres pistes de financement. Sinon, le versement, alors ça je vais aller un peu plus vite, c'est un peu plus technique. Donc j'ai parlé tout à l'heure des impôts négatifs et enfin de l'impôt négatif et de l'allocation universelle. Donc l'idée c'est vraiment comment on verse le revenu de base. Grossièrement, dans l'allocation universelle, on va faire ça en deux temps, c'est-à-dire on verse d'abord le revenu de base à tout le monde, et après dans un second temps, on va imposer en gros ce que vous allez gagner. Donc on va avoir d'abord le versement du revenu de base et dans un deuxième temps le calcul de l'imposition. Dans le cas de l'impôt négatif, on regroupe tout ça en une seule et même étape. C'est-à-dire qu'on va prendre ce que vous devez payer par l'impôt et on va faire la différence avec le revenu de base et on va vous verser uniquement la différence. Ou vous allez payer uniquement la différence. Donc techniquement, vous vous retrouvez strictement avec la même somme à la fin. Sauf qu'il y a quelques exemples. Il y a quand même un enjeu derrière ça. C'est-à-dire qu'avec un impôt négatif, seuls les pauvres toucheront de l'argent, ce qui revient à les stigmatiser. Si je reviens sur une des slides que j'ai ratée. Voilà. C'est-à-dire que ici, on va voir la somme les revenus que vous allez toucher. Ça va être ce que vous allez gagner après l'imposition et le versement du revenu de base. Et donc, on voit bien qu'à partir d'un certain seuil, il y a toute une partie à qui on versera de l'argent et une autre partie à qui on va prélever de l'argent parce qu'ils vont gagner beaucoup plus que le revenu de base. Alors que dans le cadre de l'allocation universelle, c'est ce que je disais, dans un premier temps, on verse l'allocation universelle, donc tout le monde le touche, et après, tout le monde paye. Donc tout le monde reçoit, tout le monde paye. Donc ça, c'est surtout une différence philosophique. Donc c'est ce que je disais, seuls les pauvres touchent de l'argent, ce qui revient à les stigmatiser. Et surtout, pour des personnes sans emploi et vivant uniquement d'un revenu de base, avec l'allocation universelle, elle est certaine de toucher son revenu de base à la fin du mois. Donc ça lui permet au moins d'être beaucoup plus sûr sur l'argent qu'elle va avoir. Alors que dans l'impôt négatif, il y a un délai entre autres pour le calcul, donc ça peut potentiellement être un peu plus difficile à gérer. Mais bon, ça c'est vraiment, enfin c'est
plutôt un point de détail entre guillemets. Concrètement, derrière, il se passe. Enfin, vous gagnez la même somme. Non, c'est pas un détail. Enfin, c'est un point technique plutôt. Projet politique. Le revenu de base, il y a notamment Frédéric Bosquet qui propose lui de verser le revenu de base essentiellement en monnaie locale. Donc lui, dans son optique, c'est clairement décroissante et c'est pour relocaliser l'économie. Et pour aller plus loin, il y a le Parti pour la décroissance qui propose une dotation inconditionnelle d'autonomie. Donc l'idée, c'est de verser un revenu de base de 1000 équivalents euros. Dans ces 1000 équivalents euros, il y a une partie qui est versée en monnaie nationale, et une autre partie qui est versée en monnaie locale, une grosse partie, et l'autre qui n'est pas versée à la personne directement, mais elle sert à financer les transports en commun gratuits, par exemple, les droits de tirage sur les énergies, sur l'eau, etc. Après, c'est un projet politique qui est plutôt à l'ordre philosophique, il n'y a rien qui est vraiment chiffré derrière tout ça, mais moi, l'idée est intéressante. Un autre point aussi qui est important, c'est un autre projet politique. C'est on nous confond pas mal entre revenu de base et salaire à vie, mais c'est pas du tout la même chose. Le salaire à vie, dans l'idée, c'est déjà on le touche qu'à partir de 18 ans. Ensuite, il y a 4 salaires qui va de 1500 à 6000 euros, donc avec des échelons. Et globalement, le financement, c'est une socialisation de toute l'économie. Donc en gros, les entreprises ne verseront pas l'argent à leurs employés, le verseront à des caisses qui, elles, redistribueront en fonction du grade sur lequel vous êtes. Et donc il y a plusieurs caisses pour salaire, sécu, investissement et tout ça. Donc on nous confond pas mal, notamment sur le côté décorrélation de l'emploi et du revenu, mais globalement, ça n'a juste rien à voir. Le revenu de base, c'est juste un outil au sein d'un projet politique. Là, le salaire à vie, c'est vraiment un projet politique vraiment très très large. Voilà pour ce qui est du financement. Je vais vous parler quelques expérimentations. Donc, il y en a eu plusieurs dans le monde. Je vais vous en parler de 4 principalement. La première, c'était en Namibie. Alors en Namibie, c'était de 2008 à 2009. C'était 930 villageois de moins de 60 ans. C'était 10$ par mois, et sachant qu'un tiers des Namibiens vivent avec moins d'$1 par jour. Et en moyenne, les habitants ont réussi à augmenter leur revenu de 29% hors revenu de base. C'est-à-dire que, même en retirant leur revenu de base, ils avaient réussi à augmenter de 29% leur revenu. Donc en gros, ça a été une bouffée d'oxygène énorme pour relancer l'économie. Le chômage est passé de 60% à 45%, la malnutrition infantile est passée de 42% à 10%, et augmentation du nombre d'enfants scolarisés de 92%. Parce que, en gros, les enfants, avant le versement du revenu de base, ils devaient potentiellement aider à la famille. Donc avec un revenu de base, ils pouvaient beaucoup plus facilement aller à l'école. Qui est-ce qui a fait cette... Peut-être pas le droit d'intervenir. Alors pour la Namibie, je sais plus celle-ci. Je suis à peu près sûr que c'est une asso. Je sais plus laquelle. D'accord, c'est une ONG, c'est pas. Oui, c'est clairement des financements privés à chaque fois, sauf en Inde où je pense qu'il y a eu des expérimentations sur fonds de l'ONU. UNICEF. UNICEF, ouais. Qui dépend. Sinon, c'est des ONG ouais, qui financent ce genre de trucs. C'est pas très cher dans des pays très pauvres de financer ce genre d'expérience. Oui. Pour l'Inde, il y a eu plusieurs expérimentations qui ont commencé en 2010 et 2011, financées donc par l'UNICEF. C'était dans l'état du Madhya Pradesh. Cette expérience était intéressante parce qu'au moins, ils ont pu faire des études beaucoup plus poussées sur notamment ils ont pu prendre des villages bénéficiaires du revenu de base, d'autres qui ne l'étaient pas du tout, et puis ils ont pu faire beaucoup plus de statistiques que d'autres expérimentations. Donc là, c'était sur une durée de 18 mois, il y avait 4000 individus consentants, et c'était 200 roupies par mois et par adulte, et 100 par enfant, et après c'est passé à 300 roupies par adulte. Sachant que 300 roupies, c'est 4 euros, ce qui est quasiment rien. Sauf que même avec un revenu de base faible comme ça, il y a un temps de présence à l'école qui a triplé, l'épargne triplé aussi. Sachant que l'épargne, en fait, c'est des groupes de femmes qui mettaient leur épargne en commun pour pouvoir s'acheter des machines et pour pouvoir refaire des,
relancer certaines activités. Deux fois plus de personnes ont pu démarrer une nouvelle activité. Et dépenses médicales en hausse de 50%, donc les gens se soignent. Donc même avec un revenu de base qui est assez faible, il y a un impact qui est assez, assez énorme. Juste un tout de mauvais esprit. 50% de pas grand-chose, ça fait pas grand-chose. Ça fait plus rien. Mais non, mais... Donc là, ce qu'on a vu, c'était surtout des expérimentations dans des pays, dans des zones pauvres. Il y a eu d'autres expérimentations dans les années 70, notamment au Canada et aux États-Unis. Donc au Canada, c'était le projet Mincom entre 74 et 79. C'était dans les villes de Winnipeg, donc 450 000 habitants, et Dauphin, de 10 000 habitants. Sachant que pour Dauphin, toutes les personnes ont participé à l'expérience. Et c'était basé sur, l'impôt négatif. Et donc, il y a eu une baisse de l'hospitalisation, une réduction du temps de travail donc des jeunes mères pour compléter leur congé maternité, des adolescents pardon, pour poursuivre leurs études. Une forte diminution des accidents liés au travail, des violences domestiques et une baisse de la fécondité chez les jeunes femmes. Alors après, il faut savoir que les études qui ont été faites là-dessus, c'était principalement axées sur l'aspect santé. C'est pour ça qu'on a pas mal de statistiques sur l'hospitalisation et la baisse de fécondité. Hop. Pour les États-Unis, là, c'était beaucoup plus intéressant, surtout de plus grande ampleur. C'était entre 68 et 82. Dans les villes de Denver à Seattle, il y avait 4800 familles bénéficiaires. C'était un revenu de base versé par impôt négatif et c'était de l'ordre de, en gros, à peu près le seuil de pauvreté. Et l'objectif visait à déterminer les effets d'un revenu de base sur le temps de travail. Donc au final, c'était une baisse assez modérée du temps de travail, donc de 1 à 8% chez les hommes mariés, 15 à 20 chez les femmes mariées et 15 à 27 chez les mères isolées. Et il y a une augmentation du taux de divorce. Alors ça, c'est un point que j'aime bien expliquer. C'est qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est une augmentation du taux de divorce parce que les femmes, on est dans les années 70, elles étaient quand même vachement dépendantes financièrement de leur mari. Donc elles auraient pu s'émanciper en se barrant. Et le détail qui est un peu triste, c'est que cette expérience a duré en gros une dizaine d'années, et à la fin des 10 ans, une majorité d'entre elles revenaient avec leurs anciens maris. Donc maintenant, ces expérimentations-là, il faut bien les remettre dans leur contexte. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu, il y a des trucs qui ont l'air super chouettes et tout ça, mais il faut tout le temps le remettre dans le contexte. C'est jamais un vrai revenu de base qu'on leur place. C'est tout le temps une part de la population qui est principalement assez. Les plus pauvres, à qui on verse un revenu de base, donc il faut vraiment recontextualiser là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la durée. Quand on sait qu'on va avoir une expérience de revenu de base sur 2 ans, on ne va pas se comporter de la même façon que si on sait qu'on va toucher un revenu de base à vie. Par exemple, avec un revenu de base à vie, on fait beaucoup plus facilement un projet de société, enfin un projet personnel que si c'est une expérimentation. Voilà pour les expérimentations. Je vais redonner la parole à Gervais. On va parler un petit peu des perspectives politiques et de l'actualité. Alors, je vais commencer par vous présenter ce qui se passe dans différents pays, très rapidement, autour de la question. On va commencer par les Pays-Bas qui vont démarrer normalement cette année un projet pilote. Donc ce sera dans une vingtaine de villes. On ne connaît pas encore le nombre de personnes qui sont concernées, mais on connaît le montant, 900 euros, ce qui n'est pas énorme pour les Pays-Bas. Hein. C'est pas le niveau de vie est un petit peu plus élevé qu'en France, donc voilà. Et ce n'est pas un vrai revenu de base complet, puisque le montant n'est pas individuel. Mais ça donne une idée quand même d'un début de test à grande échelle dans un pays plus proche que la Namibie, c'est sûr. Voilà. Alors la Finlande, on en parle beaucoup dans l'actualité, ça commence à se préciser un petit peu, mais un petit peu, on en sait plus sur le calendrier. Donc il faut savoir que c'est un parti centre-droit libéral qui a gagné les élections et qui est pour revenu de base. Donc ils sont clairement sur la ligne simplification administrative, bref, c'est pas forcément un revenu de base très progressiste qui se prépare. Ils choisissent, là ils sont en train de préparer des expérimentations, ils choisissent fin mars
parmi quatre pistes à étudier, dont le revenu de base, mais aussi le RSA automatique, c'est-à-dire que tous ceux qui peuvent prétendre à des minimums les touchent automatiquement, et peut-être sous forme d'impôt négatif. On n'en sait pas beaucoup plus, ils vont décider ça fin mars, et décider complètement pour lancer les expérimentations en novembre. Donc, ce qui n'est pas fixé, c'est le montant, c'est les modalités et tout ça. Par contre, ce qu'on note, c'est un soutien massif de la population au projet, qui adhère vraiment. Et l'opposition vient plutôt des syndicats, parce qu'il faut savoir qu'une partie des versements chômage sont faits par les syndicats en Finlande. Donc ils sont plutôt contre la mesure, parce qu'ils voient que le nombre de syndiqués risque de baisser, vu que les gens n'auront plus besoin de se syndiquer pour toucher les allocations. Et c'est difficile de transposer avec la France, parce que c'est pas du tout le même contexte. Voilà pour la Finlande. Alors, la Suisse, vous en avez sûrement entendu parler aussi. Donc, le vote est normalement pour 2016. Ils sont partis sur une base... Alors, le vote, ça va être « Voulez-vous inscrire le revenu de base dans la Constitution ?» Voilà. C'est ça la question qui va être posée aux Suisses, donc par référendum. Hein. Vous savez qu'en Suisse, ils votent par référendum. Et ils sont partis, la base de travail actuelle... Et sur 2500 francs suisses, ce qui paraît beaucoup, mais en termes d'équivalent niveau de vie, on a cherché à convertir, hein, ça équivaudrait à peu près à 1000 euros pour la France. C'est pas non plus si que ça en a l'air. On n'a pas trop de sondages vraiment sur ce qui pourrait se passer. Pour l'instant, le nom est quand même légèrement en tête. Mais j'ai vu des trucs allant de 30, 70 à 51, 49. Donc il faudra attendre un petit peu que ça se précise. Là, c'est en plein débat actuellement, en tout cas. Et donc il y a pas mal. Si vous allez sur les journaux suisses, il y a plein d'actualités sur le revenu de base. Voilà. Alors en France, on a aussi des trucs qui se passent. Il y a eu un colloque au Sénat sur la question en 2015 organisé par le MFRB. Les vidéos sont en ligne si vous voulez les voir. En 2016, surtout, il y a peu de temps, il y a eu une proposition d'amendement qui a été rejetée, mais pas avec un non. Avec un, il y a déjà une commission qui travaille sur le sujet, donc regroupez-vous et revenez nous voir. Donc c'est pas vraiment un non à l'idée du revenu de base. Cet amendement, c'était pas mettez en place un revenu de base de temps, c'était demander la permission d'avoir les moyens de l'État pour estimer les conséquences macroéconomiques d'un revenu de base. Donc, c'est pas non, c'est rejoint les. On a demandé à Frédéric Lefebvre et Delphine Bateau de se rejoindre au rapport. Excusez-moi. J'oublie son nom à chaque fois. C'est Sirug, c'est ça. J'ai oublié son nom. Je crois que ça s'écrit comme ça, mais je me demande si ça se prononce pas Sirugui. Je suis désolée, j'ai eu un petit blanc. Enfin, il y a une commission déjà qui travaille sur la question. Et donc ils vont rejoindre leurs amendements et les repasser sur la prochaine session parlementaire. Et en Aquitaine, donc c'est ELV qui prépare une expérience de RSA automatique, c'est-à-dire que tous ceux qui ont droit au RSA le toucheraient. Donc ce ne sera pas sur toute la région, ce sera sur un département et c'est en cours de chiffrage et d'études pour l'instant. Et c'est un projet à assez moyen terme. Donc c'est pas vraiment un revenu de base, mais ça peut être perçu. Alors c'est perçu par certains dans notre mouvement comme un moyen d'y arriver par étapes. Cette idée de généraliser déjà le RSA et ensuite d'étendre le RSA et d'y aller par petites touches comme ça. Et on a fini pour cette partie. Donc si vous avez des questions, donc du coup, comme on se disait tout à l'heure, des questions plutôt techniques, on va essayer de répondre de notre mieux. Et puis, on passera dans un deuxième temps sur la partie débat, quand les questions techniques seront épuisées à ce moment-là. Même si elles ne sont pas épuisées, parce que c'est toujours intéressant de permettre à chacun... Ça.